les médias mensonges français ont compris la nécessité, et européens si on veut aller même plus loin, ont compris la nécessité de créer une sorte d'hyperclasse qui lui servirait de sphère interlocutrice pour débattre de ces questions-là. Parce qu'ils ont compris quoi? Que la jeunesse africaine a un objectif. Son objectif, ce n'est pas simplement la fin du CFA, c'est la fin du néocolonialisme qui est à la fois économique, donc le franc CFA, à la fois militaire, c'est-à-dire les bases militaires, à la fois politique, c'est-à-dire cesser les systèmes de cooptation, les systèmes des valises éternelles qui durent, en tout cas, comme je le dis, depuis un certain temps dans nos pays. La jeunesse africaine voulait ça. Et pas que la jeunesse, même un certain nombre de nos aînés aussi. Et donc, ils se sont dit, parce qu'on sait qu'on va vers une marche inéluctable d'autodétermination, il faut qu'on coupe cet élan, cette contagion qui est en train de s'effectuer et qu'on puisse imposer que le débat reste dans un cadre strictement technico-technique. C'est-à-dire qu'on n'autorise que les économistes à parler. Et là où c'est la rue qui a rendu la question du CFA populaire, ce n'est pas les économistes. Il faut qu'on se dise sincèrement les choses. Il y a eu récemment d'ailleurs sponsorisé par RFI, par tous les médias français occidentaux. Bizarrement, généralement, quand les médias français ne veulent pas parler de quelque chose ou quand ça dérange un gouvernement, on ne vient pas tendre le micro, on n'est pas si chaleureux avec un certain nombre de personnes. Il y a eu le colloque de Bamako, où ils étaient peut-être 20 ou 30 à se réunir. Et dans ce colloque-là, l'intelligentsia, d'accord, qui s'est sentie un petit peu, il faut qu'on se dise la vérité, qui s'est sentie un petit peu vexée que la rue se soit mobilisé sans lui demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'on a toute une catégorie des prétendus penseurs chez nous qui, pendant de nombreuses années, se sont arrogés le droit de dire, de parler, de penser comme s'ils étaient les représentants naturels du peuple, mais méprisaient ce peuple. Ils ne consultaient jamais ce peuple, ou très peu. Vous ne les voyez jamais faire de meeting avec ce peuple. Quand ils réunissaient les gens, les jours de fête, ils étaient 50 ou 100, mais ça ne dépassait pas ce stade. Et du jour au lendemain, on a vu des mobilisations qui ont atteint leur point culminant ces derniers mois, où maintenant on est dans des 4000, 3000 personnes, 4000 personnes qui se mobilisent dans chaque pays. Et ça, c'est quelque chose qui les dérange. Et donc, ils se sont réunis pour dire qu'ils se ressaisissent de la question du franc CFA, qu'eux ne veulent pas de discours nationalistes, ils ne veulent pas de discours entre guillemets radicaux, ils veulent simplement un débat technique de pour et de contre. On appelle ça une manœuvre dilatoire. C'est faire perdre du temps par rapport à une stratégie qui a été déjà effectuée. Et la prétendue intelligentsia, les pseudo-intellectuels qui se sont réunis à Bamako, qui sont dans cette démarche-là, savent pourquoi ils font ça. Parce qu'ils ne veulent pas être dépassés. Et pourquoi les médias français leur donnent la parole? Parce que ces derniers savent que cette pseudo-intelligentsia est tout sauf pour eux un danger. Excusez-moi.